Hey, c'est sur cette très très belle aurore boréale que je vous accueille pour un nouvel épisode du Richissime Archéologue. Aujourd'hui, il va enfin se passer quelque chose. En tout cas, on va enfin se bouger le cul à Salvadorada. Ça fera du bien à Iowa, puisqu'il n'aime pas rester chez soi. Oui, il fallait que ça arrive. Et parce que on a été à Soulani, et puis il était pas très content non plus. Donc en fait, il est chiant, ce mec. Hein? Les styles de vie, c'est relou. Et puis, bah, dès qu'il se lève, on part, quoi. Enfin, dès qu'il se lève et qu'il s'occupe un peu de ses plantes. Hein. Parce que sinon, il va être tristoun et puis il va aller parler à cette plante-là. J'ai envie qu'il lui parle. Voilà. Tu leur expliques que tu vas partir une petite semaine, hein. Et puis que tu les aimes quand même, tes plantounettes, comme. Il est tellement bronzé! C'est un truc de fou! Soulani, ça lui réussit, hein. On y retournera, ça, c'est sûr. Bon, bah, tu es fin prêt, Iowa? Ouais, attends de faire joujou avec ton modelage, là. C'est parti, hein. On va prendre des vacances tout seul, évidemment, à Selva Dorada. Eh ben voilà, le beau gosse est arrivé à Selva. Mais écoutez, oh bah tiens, il y a un truc à creuser là. C'est direct. Oh, il y a encore ça. On va pas le creuser tout de suite. On va aller directement au temple. Parce qu'on est un petit peu venu pour ça. Hein. Vous savez qu'on a encore pas mal de choses à découvrir. Hein. Nous devons encore nous procurer six reliques, rien que ça. Donc, entre autres, et un calcaire de Salvadorada. Donc, c'est vrai qu'on m'a dit que je l'avais peut-être gagné, vu que c'est un bonus par rapport aux autres, en fait, vu que j'ai déjà complété la collection du jeu de base. Mais je suis bon, on va aller voir ça. Et non, il nous manque toujours un commun de Salvadorada. Dommage. Bon, bah, mon gars, je t'explique pas ce que tu dois faire. Tu commences à connaître la routine de la jungle, mon petit. Pourquoi tu pleures? Oh. Youhou! Première porte passée! Tant mieux! C'est celle qui nous intéresse le plus, parce qu'une fois qu'on a fait celle-ci, on ne la fait pas 15 fois! Surveillance attentive! Alors, est-ce qu'on essaie de faire partir l'oiseau? Compétence archéologie, l'extincteur de lucioles. On va surveiller ou protéger l'œuf, évidemment. Et en plus, on nous laisse une bénédiction! Bah, c'est cool! Merci à Iowa! Merci. Quoi? Commence pas! Non, hé! Alors, tu mets ton vélo dans l'avant. Il commence à me saouler avec son vélo. Et tu franchis. J'ai envie des fois de mourir quand je le vois faire ça. Ok, nous sommes ici. On va pas tergiverser. Alors, tu veux faire du vélo, tu vas faire du vélo. Allez, tu vas aller ici et tu vas ouvrir la machette. Vas-y, ressors ton vélo, hein. Mais il y va en courant! Mais qu'il est gland, celui-là! Oh! Eh ben, c'est pas la mince affaire. Quand je veux pas. Oh non! Oh! Araignée de merde. Quand je veux pas qu'il utilise son vélo, il l'utilise. Quand je veux qu'il l'utilise, il l'utilise pas. Ah, ces araignées dégueulasses. Tu me le mets dans l'inventaire, ton vélo! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Iowa? Tu es dissident. Je le sens, je le vois. Youhou! Il est passé à travers sans son vélo. Mais tu vas venir le rechercher, mec. Surveillance attentive. Sous ma gueule. Allez, on surveille, on protège l'œuf. Et encore une bénédiction. Mais quel bonheur. Allez, va chercher le vélo. Je vous jure. Ah non, mais il me saoule. Et tu vas te créer un chemin à la machette puisque c'est la porte du temple. Donc on y va tout de suite. Allez, on va y arriver, Iowa. Sac abandonné. Bon, je vous lis plus hein, parce qu'on les connaît par cœur. On va chercher du matériel utile. Allez, go, c'est parti. Et on y trouve du matériel, évidemment. On va au temple, hein. On n'est pas là pour compter les... Hein? Bon. Et nous voilà enfin au temple. Bah, écoute, tu peux déjà venir là. Je pense qu'il a déjà envie. Oh, le petit arbre trop choupi. Il a déjà envie de manger à moitié. Bon. C'est pas grave, tu vas quand même examiner ça. On a même une piscine si t'as envie de te faire un petit plongeon. Et le reste, bah, c'est tranquille, quoi. Alors, pour les petits squelettes, c'est un peut-être et deux non. Donc, j'espère que celui-là, ça devrait aller. Puis, il faut qu'il se remette en jambe, vous savez, après avoir fait le guignol sur un jet ski à Soulani, avoir reconquis d'autres cœurs et compagnie. Qui se remettent dans le bain de Selvadorada. Alors, et ici. Ah, bah, allez, ouais, on va assembler les glyphes arbres. C'est ça. C'était un peu rouillé, j'ai eu un peu peur quand même au départ.
Ah bah tout est bien qui finit bien. Voilà. Cool. C'est marrant, j'ai l'impression que ce temple-là, je l'ai pas beaucoup vu. Ouais, il me semble que c'est peut-être un de ceux que j'ai vu le moins. Enfin bref, tu vas examiner, tu vas examiner. Et tu vas examiner. Et la porte est là. Ah, électrifiée, ouais. Ben ouais, Salvatorada, il connaissait déjà l'électricité, quoi. Alors, a priori, rien pour celui-là. On va tenter le deuxième. Ah! Il a trouvé! C'est encore les glyphes arbres. Bah dis donc, on est très dans la fougère aujourd'hui, hein. C'est parti, mon kiki, tu vas m'activer ça. Intérêt rapporté, 48 000. Oh, on a dépassé 1 million! Il a plus de 1 million dans sa poche, sans tricher, les enfants. Oh là là, puis alors le voyage à Salvadorada ici. Ça va être pire que tout. Non, Kyoshi, on n'a pas le temps là. On est en exploration. Donc, on n'a pas le temps. Ah, un petit trésor. Tu vas m'ouvrir ça. Et après, tu vas examiner les deux nom-noms, parce que c'est deux nom-noms. Dis-moi que tu vas trouver quelque chose de sympa dedans. Bah, les reliques, en vrai, je pense que. Ouais, c'est une assiette calendrier. Les reliques, je pense que c'est dans le coffre final. Donc. Pfiou, mais bon. Les reliques en or, évidemment. Alors. Ben non. Il y a deux peut-être et deux non. Donc, on va voir sur le deuxième, hein. Mais il vaut prendre des précautions plutôt que de se prendre une malédiction. Et le deuxième. Bon, bah vas-y, accuse-le. Je suis pas sûre que ça. Non, c'est pas ça. Oh, t'es colère, hein, Jean-Claude. Tiens, il t'a pété à la tronche. Il t'a pété dessus. Tiens, tu vas activer. Tu vas insulter la pierre qui s'écroule. On est très très insultant aujourd'hui. Alors, c'est peut-être la blague de squelette, mais aujourd'hui, un yogwa, il a envie de lui rentrer dans le lard. Ah, c'est ça. Oh, biquette. Voilà. C'est bon. Bon, bref. Tu vas examiner, et on devrait. On n'est pas encore à la dernière porte, quoique, je pense qu'on s'y approche, hein. Punaise, les gens. Mes petits culs, je me suis trompée. On est mardi. On est mardi et il doit partir le mercredi. Je viens de capter que maintenant. Oh non. Oh, bah c'est pas grave. J'ai toujours respecté. Et ben on ira jusqu'à mardi et puis c'est tout quoi. Viens, c'est dans le trou du glyphe arbre au final. C'est très, très, je vous ai dit, c'est très fougère aujourd'hui. Ouais. Vas-y. T'as un coffre là. Et t'as un autre petit coffre ici. Pourrait toujours espérer. Mais oui, en plus. Pff, je suis trop nulle. Je m'étais dit, ouais, on va le faire rentrer avant à Sulani pour qu'il passe une journée chez lui et après de partir. Et ben j'ai complètement oublié. Je voulais tellement retourner à Sulani que ben j'ai pas capté qu'on était mardi et pas mercredi. Ah là là. Je suis nulle. Alors, tu nous as trouvé quoi? Ouais, d'accord, tu nous as trouvé juste des grenouilles, mais moi c'est pas ce que je te demande, Ayoua, je veux des reliques en or. Il y en a une! Tote Kayama en or! Je crois que je l'ai déjà. Et encore une petite grenouille et une tête de Tote Kayama. Bon, bah écoute, mon biquet, qu'est-ce qu'il va faire avec son vélo encore? Tu vas aller nager? Allez, moi je le laisse faire, Je ne le contrôle plus celui-là. Vous savez, il fait sa vie. Hein. Il va dans le vélo dans les temples. Le respect est mort. Hein. Tiens, les lucioles pyromanes. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous fais une danse? Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en avant, Guingamp, on retourne à la location. Parce qu'il a faim et tout ça. Oh, le serpent. Je l'ai vu, le serpent. Biquet, il a perdu un niveau de célébrité, mais on s'en fiche. Alors, est-ce que. Tu vas pas venir en vélo jusque-là quand même? Respecte-toi un peu. Est-ce qu'il reste encore de la bouffe de la dernière fois? Oui! Oui? Mais tu vas prendre du chili. Voilà, chili, tu vas écouter de la musique. Tranquille, Émile, quoi. Pas du. Musique latine, voilà. Parce qu'on est à Salvadorada quand même. Voilà. Le petit moment Sims Rouba. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller me faire à bouffer. Hein, je vous laisse kiffer. Thank you.
Alors, beau gosse, ça y est, t'es levé, t'es beau, t'es tout ce qu'il faut. Bah écoute, go te prendre une petite douche là. Pff, avec ce bronzage. Encore plus bégé, quoi. Ça flotte, mais c'est pas grave. Parce que Iowa, il va être sûrement waterproof. À force. On creuse ça. Et on retourne ensuite ben, dans la petite jungle, ouvrir les portes qu'on n'a pas encore ouvertes. Puisque, comme on a été directement au temple, au moins. Voilà quoi. Alors, ben ici c'est fermé mon biquet. Donc ben direction ici. Voilà, tu peux faire. Oui, bien sûr. Non, voilà, je vais lui faire franchir et puis il fera ce qu'il voudra. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux parler à la plante? Non, je sais pas. Ici, on a des choses à ouvrir. Ici, hop, tu vas m'ouvrir à la machette, s'il te plaît. Voilà, tu vas en vélo si tu veux. Je m'en fous du moment que tu m'ouvres les portes et que tu me trouves des trésors. Et on coupe les petites lianes qui nous embêtent et qui nous empêchent de passer, de trouver les trésors. Youhou! Yips! Sable mouvant. Alors, est-ce qu'on tente de récupérer? Oui, on a carrément, comme tout à l'heure, quoi. Hein. Du matériel d'aventure, ce père. Allez, on va aller au banc omnisquin. Bon, après, il n'y a rien à y faire, mais si la porte est possible d'ouvrir, parce qu'il y a une autre porte là-bas, vous verrez qu'on aura un petit trésor, donc oui, on va y aller quand même. Et voilà, les bains omnisquins, c'est fermé. Bon. Ah. Zut. Ben, il n'y a rien à y faire ici, en vrai. C'est sympa, mais en vrai, le seul intérêt, c'est d'avoir la porte ici ouverte, mais là, elle est fermée, donc... Ben voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux faire quoi? Ben non, mais il en peut plus avec son petit vélo, lui. Hein. Faut toujours que... Qu'est-ce que tu fais? Bon, on sait pas trop. Allez, tu passes, on retourne en arrière. On est de retour là. Tu as aussi une porte à ouvrir, donc go. Allez, tu cut! Allez, tu cut! Alors, c'est le jour de la loterie aujourd'hui. Je sais pas, je vais essayer de lui faire prendre un billet quand même. Mais s'il gagne, vous imaginez, on passerait à 2 millions. Bon, moi, j'ai aucun de mes Sims qui a gagné à la loterie. Hein. Genre, jamais, jamais, jamais. Donc, bon. On peut en jouer ensuite dans le challenge, pourquoi pas. Hein. Yeps! Allez, vas-y, va affronter le petit danger. Putain, on est encore avec le sable mouvement. Mouvant, pardon. Et hop, allez. La logique, et pouf, pif, paf. Le chien. Qu'est-ce que tu fais? Tu franchis, hein? Moi je sais plus avec son vélo, je sais plus. Ok! Ah! Un petit coffre à ouvrir. Oh! Il y a aussi ça à creuser. C'est bien, Iowa, c'est bien, regarde. T'as d'autres choses à creuser là. Vas-y, 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 fais-toi plaisir. Et avec un peu de chance, on pourra dire bonjour aux alligators. Oui, une assiette calendrier! Chouette! C'est vrai qu'on les avait pas encore toutes chez nous, hein? C'est cool. Bon, faire un petit peu de pêche, parce qu'avec beaucoup de chance, on pêchera quelque chose d'intéressant. Vous savez que j'ai de moins en moins de croyances dans ce challenge, donc il va durer indéfiniment en fait, vraiment. Et en plus, il ose se faire attaquer. Par des chauves-souris et des moustiques. Bon, pour l'instant, il attrape des poissons. Pas grand-chose d'autre. Et là, il va manger son petit snack qu'il s'est préparé avant de partir. Ah, oh, c'est trop cute, Iowa. Puis toi aussi, t'es cute. Alors, ici, on a donc. On a encore un temple. Ah bah du... Bah attends, puis quoi encore? Moi j'enchaîne, hein, Jean-Claude? Allez, t'as un temple à ouvrir là, vite. Comme ça on en fera deux dans cet épisode, ce sera très bien aussi. Allez hop, c'est parti. Cette fois-ci, bon, bah on fera de nuit, hein. Allez, yibs! C'est parti. Oh, cette fois-ci c'est le jaguar. Eh ben une compétence pêche. Ouais, il est pas très fort en pêche. C'est pas grave, on va l'observer. Le poisson est intact et Iowa l'emporte. Mais c'est super! Bien sûr qu'on va au temple. Allez! Deuxième temple! C'est parti, mon petit Iowa chéri!
Oh, un petit truc à creuser ici. Ok, c'est la rêve partie. Donc tu vas examiner les petits squelettes là. Puis tu vas creuser ça et puis examiner ça. Voilà pour aujourd'hui. Puis comme ça tu seras au sec là, ça va être bien. Alors pour les squelettes, c'est deux non et un peut-être. Bah, sois pas comme ça. Comment qu'il s'appelle celui-là? Zygocoxis. Tu vas pouvoir le discuter avec lui, arrête! T'es en manque de social là. Wouah! Il a envoûté direct le squelette, dit. Ah, et du coup, là, il n'y en a aucun qui va. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu actives ici. Sur le terrain. Alors, pas ce squelette-là! Les trois qui sont alignés à Yoa, hein. Te trompe pas ton squelette, hein, quand tu vas tirer sur son arme. Voilà! Pendant que l'autre, il fait ses conneries. Eh ben nous, on accède au temple, hein, comme ça, tic-tac-touc. Hop, c'est ici. Tu vas examiner et examiner. C'est le petit temple, quoi, qu'on a déjà fait pas mal de fois. Alors ça, on a un peut-être et trois noms. On va voir avec eux. Et celui-là, aucun. Voyez donc. Ben voilà, hein, donc par déduction, si tout le reste c'est non et qu'il y en a qu'un qui est peut-être, ben c'est le peut-être qu'il faut essayer, hein. Et évidemment, Fernand. Allez. Ah oui. Tu sais, dès que je vois la lumière bleue à Iowa, en général, je comprends, hein, moi. Mais bon, si toi, il t'en faut un peu plus, pourquoi pas. On va avoir des trésors et on va examiner ici. Puis on a d'autres choses à examiner. Ah, c'est bien. Alors, assiette ou grenouille? Les paris sont lancés. Eh bien, c'est une assiette calendrier. Bon, eh ben, aucun pour celui-là. Super. Là non plus? Bah décidément, c'est forcément un de celui-là alors. Alors c'est lequel? Et eh ben c'est le glyphe-feuille, hein. C'est toujours dans la fougère aujourd'hui. Yes! Yes, aïe! Yes, aïe! Ah bah, oh bah c'est la fin. C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul dans celui-là. Oh, tristesse. Fais-moi plaisir, Iowa! La 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 la. Hey, Yebs! Alors, exploration du temple, deux assiettes calendrier et une grenouille. Et donc, tu m'as rien trouvé. Mince, j'ai oublié de lui faire prendre une machin. C'est pas grave. Un ticket de loterie. C'est pas grave, il est déjà riche, de toute façon. Oh! Oh là là! Une deuxième relique de la mort. Palom palso. Le problème, c'est que je sais plus ce que j'ai à la maison. Donc, faudra attendre plusieurs épisodes avant de savoir si on a avancé ou pas dans les reliques en or. Mais au moins, on en a. Hein, pas comme la dernière fois, on en a eu. Bon, bah allez, c'est bien, Yowa. On va rentrer à la location. Il est 3h du matin. Voilà, son vélo d'amour, hein, ça, on n'en démordra pas. Hein. Retour à la maison, tu vas me creuser ça. Tu vas faire quoi, là? Descendre ton vélo, là? Et tu vas y dormir. Allez, Yowa, comment... Me casse, moi. T'en prie. Tu m'as assez cassé les burnettes aujourd'hui. Quand même, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, hein? Allez, Iowa, bonne nuit à toi. Rêve bien de ton futur challenge bachelor, hein, avec les abonnés, puisqu'ils t'attendent, hein. Eux, ils sont au taquet, il n'y a que toi qui mets du temps, là. Donc maintenant, faut trouver les reliques. Allez, moi, c'est là-dessus que je vous quitte. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même gagné un petit peu deux reliques en or, donc c'est quand même pas mal. À voir si on les a pas déjà. Et puis moi, je vous fais des très gros bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour la suite du richissime archéologue avec le bel Iowa. Allez, ciao, ciao!